Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas aujourd'hui que la connaissance. Dieu pour nous gagner dans le peuple. Pour ceux qui sont connectés. Si tu nous suis maintenant, tout ce que tu désires, reste connecté chez toi. La distance n'est pas une barrière. Si tu crois, si ta foi dit oui, la puissance de Dieu est dans ta chambre. La puissance de Dieu est dans ta chambre. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. C'est ma blou. Papa. Papa. Nous disons que c'est un miracle très lourd. Impétant. Très lourd. Ça pèse. Maman est là. Cette soeur. Elle a mis le nom de mes filles. Elle dit que vous aviez prié pour elle. Maman est rentrée. Et elle est rentrée. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Et le diable a encore recommencé sa mission. Elle a sauté à l'ordi. A repris sa mission envers le bas. Ça de moi. Et le matin qu'elle est venue. Alors, puis quelqu'un va me couper tout le monde. Le bras était tellement lourd qu'elle ne savait pas pourquoi. Lorsque vous avez demandé de poser la main là où nous elle a posé sa seconde main sur la main placée. Et en même temps, elle a senti quelque chose qui est sorti d'elle. Un instant après, elle a levé la main là où elle a levé. Acclame Jésus. Ne crains pas ma fille. Je suis le Dieu. Je déclare sur ta main. Que la douleur finisse. Au nom de Jésus. Regardez. Un miracle ici. Il y a un miracle ici. Spécialiste de guérison des maux de tête. Mais me bon oiseau, c'est ta fait me dit. Il est agrégé en ça. Il est né comme nous devons m'aider. Nos poissons, mais à son poisson, cette soeur. Nous avions là. Elle s'appelle Chantal. Quand on a eu Chantal. Elle vient de Godomé. Elle a constaté depuis un mois. Les maux de tête. Ta fait me. Tellement atroce. Bah, elle a pris les comprimés en vain. À moi, et ce matin, à moi, ça, ça s'est encore intensifié. Elle est sienne du Rukambo. Parce que le diable est un bâtard. Lorsque vous relâchez l'onction, elle a posé la tête et les mains à la tête. Façon. Et en même temps, une fraîcheur descendue sur la tête. Elle est morte, disparue automatiquement. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Dans Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Akamara manana, utile kebo. Regardez. Un miracle ici. Il y a un miracle ici. Le papa. Papa. Ce jeune homme-ci que vous voyez debout, voilà, depuis une semaine, comme sa cheville gauche a été déboîtée. Et c'est avec elle qui ne pouvait pas travailler dans la semaine du temps. Il a appelé les gens pour le masser, mais impossible. Et voilà, nous, et
Mais ce matin, lorsqu'il est venu, à mon sens, elle a bien fait un bien ensemble. Et la douleur persistait. Bon, vous avez pas de après la prière. Et lorsqu'il se sent léger, et tout ce qui est déboîté est revenu à sa place. Mais il a sauté. Tommy, écoute-moi. Si vous êtes nous, si vous êtes nous, depuis quand tu sentais la douleur? Depuis lundi. Lundi. Et ouais, soyez ensemble. C'est pour ça que tu n'as pas allé travailler. Assis-toi, assis-toi. C'est pour cela que je n'arrivais plus à travailler. Bah, sinon, n'est-ce pas que tu n'as pas. Comment tu marchais quand tu sentais la douleur? Ah, désolé, ma console, je n'ai pas. La douleur, la démarche là me plaît bien. Eh, désolé. Bah, tu n'as pas besoin de quoi? Et maintenant, comment marches-tu? Et dans Chimoule, les moulins, les mains des tambours. Et dans Chimoule, les moulins, les mains des tambours. Et dans Chimoule, Dieu t'a totalement guéri au nom de Jésus. Regardez, un miracle ici. Il y a un miracle ici. Dieu a encore opéré un miracle dans sa vie. Le miracle que Dieu a opéré. C'est mieux. Depuis 4 jours. Elle avait des douleurs à la hanche. Jusqu'à hier soir. Elle pleurait même à cause des douleurs. Elle ne faisait que pleurer. Mais et lorsqu'elle est venue ce matin, vous avez demandé de poser les mains à la hanche. Elle a posé la main à la hanche. Mais lorsque vous avez relâché l'onction, elle a ressenti une fraîcheur. Et tout ce qu'elle sentait, c'est Dieu te guérit totalement. De Jésus signe comme au nom de Jésus. Regardez, un miracle ici. Il y a un miracle ici. Guérison. Azorébon. Instantané. Azorébon. Cette soeur, elle s'appelle Anne-Marie. Nous vivons le noyau et quand on a Anne-Marie. Elle vient de Savalou. Et aussi caca Savalou. Il y a un an déjà. Et quand on peut le poignet. Qu'elle a commencé à sentir une douleur sur son cœur. Elle est allée à l'hôpital. Et après l'échographie, les médecins ont révélé que c'est les maux de gros cœur. Et il y a encore des plaies sur son cœur. Et elle traînait ça depuis un an. Ce matin, lorsque vous relâchez l'onction, elle a senti le cœur commencer à se battre fort. Et une puissance a traversé son corps. Une fois après la prière, les douleurs qu'elle ressentait en elle ont disparu. C'est toi, on croit, c'est quand même si vous êtes nous en belle. Depuis quand tu sentais ce mal? Comment tu sens le cœur? Je ne pouvais pas marcher de là jusqu'au dehors. Ah, on doit fatiguer. Bon, on ne peut pas.
Maintenant, comment te sens-tu? Maintenant, je n'ai plus rien. Je suis guéri. Une année. Plaît douleur de cœur. C'est pas chose facile. Ayant foi. Ce n'est pas le cas. Tu me regardes, lève-toi. Totalement guéri. Totalement guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Waouh. C'est fini. You. Bon, écoutez, de d'abord de voir nous. Va et rapporte un grand témoignage. Regardez. Un miracle ici. Il y a un miracle ici. Ça va être un autre miracle. Ce matin, c'est ainsi que vous voyez. Nous venons de demander de l'eau. Elle s'appelle Judith. Elle vient de Glasgow. Un enfant depuis 10 mois. Elle vit à Togoto, métier. Elle comble sous un. Elle a deux problèmes. Cet enfant, si vous venez nous voir à Togoto, elle sent des brûlures comme des plaies dans son ventre là-bas. Et secondo, elle a de mal partout dans les hanches. Vous venez nous voir l'ito, mais c'est l'ito, c'est pire. Et quand la douleur commence, elle ne pouvait plus se maîtriser. Et ça, c'est non moins des minutes. Une soeur de notre commission l'a indiqué ici. Là-bas, nous dans la commission. Mais c'est fini ici ce matin. Lorsque vous avez relâché l'onction, elle a dit que le mal qu'elle sentait depuis là, elle a ouvert de notre fille. Tout a disparu. Wow. Elle se sent légère. Voici le Jésus. Asi pa Jesus to ne kwa de ne la yure forever you rise agama chungi mama hey hey mama hey oh you listen me give me a soul agama chungi mama hey 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 mama hey oh kolo ya zima mama eh shonye jemo ye mama ara kele mo ara kele o regarde un miracle ici il y a un miracle ici nawa jite to mauna gba sonu wa ici on prophétise un miracle pour les sous. On voit un miracle pour les sous. Je présente maintenant dans ta vie, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tellement bleu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tu as encore opéré un miracle dans la vie de la maman. Si vous venez me parler maintenant. Elle dit que depuis qu'on était dans la petite église là-bas, sous les pylônes, elle avait envie de faire le nettoyage dans la maison de Dieu. Mais elle avait une douleur articulaire qui l'empêchait de soulever son bras. Donc elle était obligée de laisser l'œuvre de Dieu. Mais elle ne fait que prier par rapport à ça. Mais ce matin, quand elle est venue, vous avez demandé de poser la main là où il y a la douleur. Elle a posé la main sur son bras. Et vous avez relâché. Elle a ressenti que quelque chose a quitté le bras. Et elle a levé le bras facilement. Le bras léger. De la Yesu Guanama Pogne la vie. Oh, yeah,
Dieu t'a guéri. Oui. Totalement guéri. Tu ne verras plus cette douleur dans la main. Regardez. Un miracle ici. Il y a un miracle ici. Instantané délivrance. Quand tu tiens sur le point, sur le pot. L'onction a une fois encore défié la science. Bien, amici, ça, elle a eu mes bons. Il peut voir cette douleur. Nous pédions pas. L'onction encore une fois défier la science. Elle est belle, nous science de vous. Elle est belle, nous toto. Elle est belle, nous toto. La soeur que vous voyez. Nous des il y a un bon moment. Elle a dit qu'elle ne se rappelle plus de l'année. Elle a dit qu'on s'en fait quoi. Et elle ressentait une masse dans son corps. La chose boule dans son ventre à tout moment. Elle est allée à l'hôpital. Mais les échographies n'ont rien révélé. Mais elle ressent toujours la chose. Non, on l'a conduit chez le tradit praticien. Et on lui a fait des poudres, des médicaments. Je ne sais pas si c'est du sable ou pas. C'est dégoûtant, on peut même pas penser à ça là. Elle a pris tout ça là en vain. Ce matin, lorsque l'homme de relâcher l'onction, elle a posé la main dans son ventre. Et dans son ventre, la chose est venue rester de son côté. Et quand elle a posé la main dessus, elle a ressenti un grand bruit dans le ventre. La chose a fait boudou boudou boudou. Et en même temps, ça a disparu. Elle a touché son ventre partout, mais elle n'a plus rien ressenti. Elle est venue partager le témoignage. C'est fini. C'est fini. Minotomi. Écoutez-moi. Elle est preuve de ton corps. Elle est venue avec preuve. Amassien nous en a dit. Voilà les médicaments qu'elle a l'habitude d'utiliser. Amassien nous en a dit. Biopoudre. Un biova, mais biopoudre. Biopoudre. Kaline, mon mimoi. Biopoudre. Regarde quoi. Biopoudre. Biopoudre. Devoir biosol. Biosol. Eh ouais, nous en a. Mimoi la vie, ouais. Vous voyez plein, non? Mimoi. Elle va tourner ses vêtements. Bon. Elle sait comment elle a souffert. Nous remettons combien? Quand on sent une masse dans son ventre, et c'est très puissant. Adia, si tu veux manger ça, comment tu peux pas manger? Ah, tu quand tu partais, comment tu te tais? Amoïkbe. Mais aujourd'hui, ma raison, bon, l'Éternel l'a totalement guéri. Nous, si je suis un de Dieu, que cela disparaisse totalement. Elle va big patak patak totalement guéri. De Jésus, c'est comme elle. Dans le nom de Jésus. Bami eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu la kan ko seni to re da duro eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu la kan ko seni to re da duro merci seigneur merci seigneur to le da duro ko seni to re da duro. C'est toi qui aimes ça dans son ventre. Le voisin. Oui, c'est moi. Si vous êtes à zéro béni. Depuis que la tu fais. Ça fait un bon moment. Elle est trop têtue. Elle est têtue. Pourquoi as-tu mis ça dans son ventre? Je dis qu'elle ne va jamais enfanter. Elle a mis sa caca. Elle va se promener en vain. C'est quoi il est dans son ventre? J'aime mieux crabe dans son ventre. Agassa zéro Roméni. J'aime mieux crabe dans son ventre. Bah, fita Agassa le dit. Le crabe est où maintenant? Agassa autant. Le crabe est déjà son. Oh! 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 Non mais c'est toi, voici tellement mon voici, 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 voici. Wow. Si tu n'es pas jaloux, tu peux célébrer.
grâce. Mon père te rend grâce. Dito, voici Dito de Agassaram. Va aussi comme Job. Amen. Regardez, il y a un miracle ici. Il y a un miracle.